YouTube, bienvenue. Nouvel épisode, on est avec Charlie, Drogo, ils sont tous en train de se balader, ils arrivent. Dans cet épisode, mesdames et messieurs, on va braquer et on va parler armurerie. Drogo m'a dit, j'ai une arme, enfin j'ai une voiture remplie d'armes, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Vas-y, je te suis. Du coup, on va aller voir ça avec Drogo, normalement. Armurerie, il l'a dit. Alors déjà, il a une voiture qui est vachement pas voyante. Allez-y, montez, regardez. Voilà. Faites-vous plaisir. Vas-y, montre-nous. Ouh non. Il a pas menti. Yo, Ben. Alors, chers messieurs. Merci pour l'initiative, Ben, ça fait plaisir. Il faut prendre des chargeurs du coup de 6.5. Si vous souhaitez une protecteur, c'est du 9 mm. Moi, je veux la protecteur. Et si vous souhaitez une TRG, c'est du 6.56. Et oh oui. Non, ça c'est... On se sert, on se fait plaisir, mesdames et messieurs. Eh mec, c'est ouf tout ce que t'as. Je t'ai pris la protector, on te paiera avec ce qu'on récolte. Ouais, moi je prends un truc. Bon, tranquille. Eh, la protector, mec, elle me fait rêver. J'ai rien pour stocker, en fait. Ah, t'as pas de sac. Bah, prends si moins de chargeurs, au pire. J'ai rien, je peux même pas, je peux rien prendre, en fait. Bah, moi j'ai mis l'arme dans le sac à dos et j'ai une arme de poing en plus sur moi. Attends, je vais mettre mon gilet. Non, attends, je prends mon gilet, fais voir. Nice. C'est bon, moi je suis calibré, je vous laisse vous calibrer. Du coup, il a pas menti. J'ai calibré, j'ai une petite MX. Petite armurerie, mesdames et messieurs. On va faire du braquage et normalement ça devrait bien se passer parce que d'habitude c'est un petit peu la galère, si vous voulez ce que je veux dire. Ouais, dans ma Mégane RS j'ai des armes mais j'ai pas de chargeur moi, Fifou aussi. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Généralement tu peux en si tu vois ce que je veux dire. 3, 4, et merci à Ben 8031 et KidJam27, les last subs, c'est plaisir les gars. Merci à vous. YouTube, à votre avis, est-ce qu'on va réussir le braquage? Twitch, je vous laisse répondre dans la chatbox. Cette fois-ci, on est avec Drogo qui a l'habitude de faire des braquages, on est à 3 avec Charlie et vous on a un petit peu... J'ai même le triangle de sécurité, vous savez. Pour faire le roleplay... Attends. Oui. Merde. Attends. Ah non, si elle est dans ton sac et tout, elle sortira pas. Ah non, c'est bon. Attendez. Petit clin d'œil à un ancien épisode pour ceux qui s'en souviennent. J'ai ce qu'il faut, mesdames et messieurs. J'ai ce qu'il faut. Eh oui. Kijiro qui offre un abonnement de niveau 1 Wolfax. Merci à vous deux, ça fait plaisir, bienvenue les gars. Bienvenue. C'est bon, vous êtes prêts? Personne te voit. Vas-y, mets dans ton sac. Parfait, on est prêt. Merci les gars, ça fait plaisir. Bienvenue, ça va mal tourner. Explication, ça tourne mal. Bon, peut-être, carrément. On t'attend ici ou pas, Romain? Ou on vient t'en... Vas-y, prends une balle encore si tu veux. Qu'est-ce qu'on fait? On t'attend ici ou on vient? Du coup, tu restes à 9 mm. Ouais, 9 mm, c'est bien, mec. Apparemment, oui. En plus, avec la protector et tout, elle est tellement bien skinnée la protector. David, si tu veux, je te sors ça sinon. Vas-y. On va voir. Je te sors ça. Hein. Ça, c'est mieux? Ah, bah, c'est du 6.5. Et je te rends la protector et tu me passes ça? On l'a cuit avec ça. Hein. C'est quoi, c'est la Katiba? Ouais, mais protector, tu vois, ça fait un petit peu. Petit pistolet mitrailleur, tu vois. Fais-toi plaisir aujourd'hui, tiens. Rien dans ton coffre. Attendez, on va voir. Aujourd'hui, c'est jour des armes aujourd'hui. C'est solde. Oh! Vas-y, ça marche. Hey, ouais, qui c'est qui a... C'est toi qui gères le braquage aussi? Bah, si tu veux. Vas-y, mais faut que ça marche, hein. Bien sûr. Celui bon, que tu vas bientôt. Vas-y, on t'attend ici? Yes, j'arrive. Ok, nice. T'as combien de chargeurs, Charlie? J'en ai que un. T'en as que un? Attends, Charlie, il a que un chargeur, Drogo. Bah, va au garage avec lui, Ah mais ça fait deux avec une de chargée donc Bah moi j'en ai beaucoup plus, j'ai quoi? 5, 9, 10, je dois avoir 10 chargeurs en 9 mm. Non mais c'est bon, moi je fais diversion, j'y vais à pied, ils vont me choper. Ouais, on a vu tu es en prison je pense, comme c'est parti. Ou au paradis, on verra. Au paradis. On verra un petit peu comment ça évolue. Moi, je suis gentil. Faudra faire gaffe à la police par contre. Je vais leur dire à la police, non mais je peux vous aider. Donc go, c'est bon pour la bagnole? Vas-y, on t'attend. Tu veux qu'on aille faire quoi? Y'a Viper! Ça dépend, Viper. Bah je sais pas, on est trois, tu veux qu'on commence par quoi? Qu'est-ce qui botte avec nous là? Bah SFR c'est d'un hacker donc on peut... Allez, on commence par SFR et puis après on monte de gamme petit à petit. Tiens, j'étais chargeur... Kijiro coffre un Sabre Matisse.
C'est beau, merci gars, ça fait plaisir. On prend celle-là ? Vous voulez qu'on change de bagnole ? Toyota Supra, c'est bien. Ou la Renault 5, sinon ? Elle est puissante, celle-là, ou pas ? Ouais, mais je pense que la Renault 5, ça peut être encore mieux, parce que la Renault 5, je bloque le compteur à 212, et après, je... Non, j'en veux pas du Duster. Alors, je fais quoi ? Bah, direct avec le Duster. C'est toi qui vois. Toyota Supra ? Si tu te sens chaud avec cette voiture pour... Mais je préfère la Renault 5. Renault 5, je te jure, je te sème tout le monde. Alors, on va prendre la Renault 5. Mais le truc, au pire, vite fait, Charlie, il faut qu'il aille chercher un sac. Bah vas-y, bah il va chercher son sac. Moi, je vais chercher la voiture, on se retrouve ici. Yes. Attends, vas-y, go. Bah attends, là, mais par terre ici, vous restez là. Genre, tu t'assois dessus ouais, discretos, tu vois. Ouais, on attend un petit peu. Vous parlez en faible, hein, surtout. Sinon, on est foutu. Bon, je peux la prendre, je l'ai pris. T'as pris ? En effet, la police qui. Petit deal sur le parking. Il y a un gilet de visibilité, il est à qui ? À moi. Bon, vas-y, Charlie va t'acheter des habits. Je reviens avec la R5, à tout de suite. Bon, la Toyota Supra, c'était bien, mais je pense qu'en Renault 5, il y a moyen que ce soit encore mieux. Ouais, mais bon prix. Non. Venez vite fait, là. Hop, parfait. On va sortir la Renault 5. La Renault 5, je vous assure, ça va être une folie, les gars, pour les courses poursuites. La Peugeot Turbo 5, putain, je suis désolé, je me suis encore trompé. J'espère que vous me pardonnerez, Twitch. Pardonnez-moi, je ne suis qu'un enfant qui m'amuse. Allez, go. Ouh, il vient d'où, lui ? On a l'impression qu'il s'est téléporté, non ? Terrifiant. Qui c'est qui fait muse avec ça ? Ou alors, il est arrivé tellement vite que je l'ai vu charger à la fin, mais c'est terrifiant. Avec ça, les gars, c'est bon. Avec ça, c'est easy peasy, les gars. Easy peasy. Peugeot 205 Turbo 16, Peugeot 205 Turbo 16, Peugeot 205. Et alors ? On va se faire spot à 600 km. Ouais, mais... Ça, c'est parce que tu... Tu sais pas. Regarde. Tu vois ? Ouais, on a failli se taper le poteau, mais ouais, je regarde. Là, c'est parce que tu sais pas. Tu sais pas qui je suis. Sors ta main, sors ta main. Attends, c'est quoi déjà ? C'est quoi le truc pour la main ? Vas-y, sors ta main, sors ta main ! Ouais. T'inquiète pas, t'inquiète. T'inquiète même pas. Regarde-moi ce donut, mec. Homer, il serait là, il dirait... Pinaise de donuts. Et voilà les gars. Ça c'est un symbole ça. Ça c'est une pièce de 1€. Bientôt il y en aura d'autres. Et ouais. Et là vous êtes impressionnés, je le sais, derrière votre écran vous dites oh, putain ce gars, le mec il fait des donuts avec sa bagnole. Et regardez, je me gare au milieu du donut. Ah beau gosse. Dab. Voilà mesdames et messieurs. Dri. Il est où Charlie ? Il est en face là-bas, à côté de l'église justement. Oh là là, c'est pas possible, il est toujours perdu le pauvre. Et il est parti chercher des. Il a tout ce qu'il faut là ? Bah lui il a son arme et tout, mais. Ok, toi ta l'arme, tu l'as mis dans la voiture ? Ouais. Ok, en avant. Ouais, j'ai acheté un garage parce que ici à chaque fois c'est un bordel ici. Ah bah oui, mais et puis maintenant t'as vu, ils foutent tes vendeurs directement au garage. Et dès que tu sors une voiture, ils te sortent 6 fois. Hey, monsieur, vous vendez une voiture ? Ah ouais ? Ouais. Ils font du business. Je suis passé 3 fois, il m'a demandé un véhicule. Alors il est où ? Dis lui qu'on est... Charlie ? On est à l'église, ouais. Charlie, on t'attend. On va faire quel SFR ? Alors, on est où ? On est là. Fais gaffe, il y a quelqu'un. Je me suis mis en faible, comme ça il n'y a pas de soucis. Elle est super jolie cette Audi, un petit peu berline familiale, j'aime beaucoup. Là t'as une... Ouais. J'aime bien l'aspect vidéo comme ça. Là. Ouais, tout à fait, elle est super jolie. Elle a une putain d'allure. Petit ambulancier, bah il a pas acheté d'habits. Mais non, en fait c'était juste un sac, il avait pas de... Ah ok. Place. Bah tu sais, il peut mettre des choses sur sa tenue. Hein. Lui qui voit, il voit ce qu'il préfère. Mais t'en où les autres ? Les autres ? Les autres quoi ? Moi, je vérifiais que je parlais doucement. Non, les autres chargeurs. À moi là, les C5 là ? Bah non, c'est à moi, c'est mon arme secondaire. Ils sont là. Ah voilà, merci. Oh, Drogo qui gardait tous ses armes pour lui là. Ah, non, mais le gars, il partage bon, Drogo, on va où ?
Alors, ça vous dit, on va taper le petit. Vite, faut ouvrir. Est-ce que je peux monter ? Ouais, tiens, vas-y. Elle était déjà ouverte en fait, hein. Elle était ouverte la bagnole. Hein. Ah bah, faudra dire qu'on peut pas rentrer par là. Tiens, je vais faire tourner les clés. Ah, mais putain, c'est une déplace ta voiture. Ah ouais ? Eh, ah merde, y'a pas de place derrière. Autre pire, c'est quoi, je prends une Clio. Vas-y, deux bagnoles, ouais, deux bagnoles c'est aussi bien. Et comme ça, si je me fais courser, moi vous partez avec la tune. Et même avec deux voitures, y'a moyen de faire un barrage et tout. Bah c'est ça, on passe le plan, les gars, allons. C'était le plan de départ, ça. Deux voitures, c'est bien, vas-y. Au garage. Ouais. Enfin, en tout, tu pourrais faire des voitures qui fonctionnent, quoi. C'est vrai, c'est une de place, je l'ai zappé. Vas-y, à gauche. Ok. On va taper celui-là d'arrivée. Oh, c'est. Mec. Putain, ça va être un bordel pour la course-poursuite. Bientôt, mesdames et messieurs, il y aura un nouveau skin auto-école pour info. J'en ai fait un. J'ai déjà teasé sur les réseaux sociaux, vous irez voir. Maintenant, je sais faire des skins. Et Drogo, je t'expliquerai comment faut faire. Yes. Putain, le roleplay victimisation, tu sais. Ah merde, je suis tombé. Je t'expliquerai. Ça marche du feu de Dieu, mec. Et je vais skin une moto aussi. C'est nickel si ça fonctionne ouais. Comme tu le voulais, quoi. What? Les mecs, ils vont d'ici. T'as envie de jouer au garage. Enfin, tu vois, c'est une vente à l'arrache, là, qui fait le mec. Ouais, c'est vendeur à la sauvette, hein. De ouf, de toute façon, c'est que des voitures volées, tu sais. L'auto-école qui a respecté personne. Attends, on va se barrer d'ici. On va se mettre en face. L'auto-école, tu sais, qui a respecté personne. Je sais pas si t'as vu. Ici, ouais, il est passé tranquille en mode ouais. Vas-y, on attend là. Vas-y, tu veux qu'on fasse lequel, celui de Lolis? Arudy. Vas-y, je le sens bien. Je le sens du bien. Du coup, Charlie, on va se taper sur Darby. Ouais. Les mecs, à tous les coups, ils vendent des voitures volées, tu sais. Ou ils sont trop pauvres pour acheter des garages. Par contre, ça, c'est un truc que la police pourrait faire, c'est demander à ce que ça parte, étant donné qu'ils sont pas sur du privé. Exactement, bah ouais. Exactement, c'est un truc que les flics pourraient faire, c'est demander à ce que les gens. On vient de démarrer. Ah, voilà, c'est bon. Demander à ce que les gens aillent sur un terrain privé pour faire leur vente. Par exemple. Voilà, par exemple, ils peuvent faire un contrôle fiscal ou une commande du jour. Merde. Ah non, mec, on est pris. Non. Non, c'est bon. Non, oh là là, on a eu. On a eu du bol, mec. Tu sais que j'allais y aller à fond de balle en plus, hein. On est passé à ça, mesdames et messieurs, de rater le braquage. Ça déconne pas maintenant, quoi. On est passé pas loin du blocage police. On est passé à côté d'eux, j'ai entendu un ouh. Tu sais, le ouh qui voulait dire ouh loulou. Du coup, tu veux faire comment? Dis-moi comment tu vois ça. Moi je veux plus être dans le SFR, j'en ai trop marre d'être dans le SFR à chaque fois. Ouais. À chaque fois je me fais abattre en premier. On met Charlie dans le SFR sinon, on met le plus jeune. Charlie t'as qui? Comment? T'as quel âge? J'entends rien. Tu as quel âge? Il y a 18 ah, je crois. Âge j'ai 20 ans. Ah il y a 20 ans, je pensais qu'il y avait 18 ans. Le souci c'est qu'on veut envoyer le plus jeune. Ah bah t'inquiète, moi j'assume tout. Bah non mais tu comprends, on a plus d'expérience. Ouais c'est ça. Ouais t'inquiète, j'ai tâté 2-3 un peu le terrain, tu sais, et tu fais une épicerie. Bon, faut que je baisse le son de la radio parce que... J'avais pitié. Ok, elle est infâme. Ouais, ça fait un peu mal aux oreilles. Le truc là, c'est qu'il faut quelqu'un derrière, devant pour protec, tu vois. Si on lance une négociation, du coup, faut bien que nous on se coordonne. Les voitures. Aussi pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi, Drogo, c'est. Dis-moi, comment tu veux ça? C'est celui-là le véhicule de fuite. Oui. Ok. Là, la voiture orange est la première voiture de fuite et la deuxième, faut la planquer au cas où si celle-là se fait. Ok. Se fait, par exemple, péter les roues ou autre. Donc Charlie, il faut que tu trouves un petit point. Et moi, je la mets où ma voiture? Je la laisse là? Là-bas, derrière. Hein? Je la laisse ici, ma voiture, moi? Tiens, sans moi, et après, okay. Tu viens dire que t'es un pro du braquage Qatar. J'avoue, des braquages, j'en réussis pas souvent. Expliquer le plan, parce que moi, j'ai une idée. Aussi. Vas-y, expliquez. Allez, vas-y, Charlie. Vas-y, alors, moi, genre, il y en a un qui fait le boulot. Ouais. Donc, après, il y a les filles qui arrivent, il y a la bagnole, elle se barre.
Oh, y en a un qui se met là, il monte direct dans la voiture, il se barre. Ouais. Et moi, j'attends derrière avec la Clio. Mais celui qui a vraiment l'argent, il se prend la fuite par là derrière. Et moi, j'attends avec la voiture Clio noire et j'y vais, on roule tranquille. Ok, mais question bête, celui qui braque, il doit vraiment être collé au poteau par contre, hein, au panneau. Hein. Il peut pas s'éloigner ou autre. Donc du coup, on se met à deux dans le SFR. Quand les flics arrivent, il y en a un qui monte là-dedans, il se barre. Et tu continues le braquage. Oui, non mais moi je braque pas. Ah si, c'est moi qui braque. Bah, non mais je sais pas, c'est la question. Si c'est moi qui me barre avec la voiture, faut que ce soit quelqu'un d'autre qui braque que moi si c'est moi qui conduis la voiture. Forcément, le mec qui est en orange, il va se faire choper. Hein. Oui, mais Charlie, le truc c'est que si on n'a pas fini de braquer, eux ils vont l'entendre à la sonnerie. Donc du coup, ils vont attendre, ils vont choper le braqueur et non le mec qui se barre. Oui, non mais t'inquiète. Non mais après, ça peut marcher son idée. Hein. Peut-être qu'ils vont prendre la voiture qui se barre, je sais pas. En fait, la voiture, il faudrait la coller au SFR. Sortez le popcorn, déjà, Twitch. Sortez le popcorn. Ah, oh bah oui, on la rapproche. on la colle et genre, on continue le braquage. C'est quoi le truc en l'air orange? C'est le marqueur pour dire qu'il y a une voiture qui spawn ici. Parce qu'ici, il y a un vendeur en fait. Il a fait un véhicule. C'est quoi? Hein? C'est quoi la voiture? Ça marche à travers le mur? Ah, c'est une Supra. Ah, ouais, mais non, on peut plus se coller. Ouais, faut être à moins de 3 mètres, c'est ça? Ouais, faut être à moins de 3 mètres. Non, mais ça, c'est pas SFR, jeune loup, hein. Juste à côté, Charlie. Charlie ? Oui ? Le professionnel ? J'ai vu. Oui, oui. Oh là là ! Ça commence bien le braquage, mesdames et messieurs. Ça commence bien. Charlie, il se trompe de baraque. Parce que regarde, si le gars, il est là, il peut se mettre ici. Ah oui, oui, ok. Non, bah, du coup, j'ai plus le même plan. Non, mais du coup, ouais. Moi j'ai une idée, faut en fait un mec qui prend une info derrière, un mec qui prend une info devant. Ouais. Comme ça quand il y a des flics qui arrivent, du coup on sait combien ils sont et où ils se placent. Si on essaie de négocier, du coup on essaie de négocier la moitié de la somme. Déjà, est-ce qu'on essaie de négocier ou pas? Faudrait mettre ça carré dès le début histoire qu'on sache ce qu'on fait. Ah, mais les gars, c'est oui. J'ai un truc. Je crois que j'ai un truc. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi j'ai vu à peu près où sont les flics, hein, on les a tous croisés à peu près, ils sont tous à l'est. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, on va se les bouffer si on tourne à droite. Si on tourne à gauche, pour eux ça va être trop facile. Dans ce cas-là, la voiture barrage, on met un véhicule barrage avec un gars qui bloque ou pas? Ouais, bah alors du coup, moi ce qu'il faudrait en fait, c'est un. Il faudrait qu'il y en ait un qui soit presque au niveau du concessionnaire, enfin un peu avant le concessionnaire moto, tu vois? Ouais. Et genre. Et il bloque leur arrivée du coup avec la bagnole au milieu. Bah, du moins il ralentit quoi l'arrivée. Ouais. Et les deux autres, qu'est-ce qu'ils font? Si ça arrive de l'autre côté, sachant qu'il y en a un qui est bloqué au panneau tout seul sans protection. Parce que là, à la limite, faudrait un sprinter ou un poids lourd pour le mettre devant, tu vois. Oh ouais. Bah ouais. Parce que le gars qui est devant, limite, on peut essayer d'approcher. En fait, ce qu'il faut les empêcher d'arriver devant là. D'avoir un visuel sur le gars qui est à l'intérieur. Donc on peut. Tu vois. Hein? Ouais. Alors ouais, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, on va aller chercher des pommes. Allez, dans tous les cas, ils vont vouloir nous choper, ces flics. Ouais. Donc, non, mais il faut se faire un truc, genre la Clio, faut qu'elle soit neutre. Faut pas qu'elle soit. Tu vois. Et c'est pour ça qu'elle doit être cachée. La cacher, on peut la mettre derrière ou. Mais faut qu'elle soit cachée, mais proche d'ici pour qu'on puisse y aller. Non? Yes. Attends, t'as une. Là, t'as une. Attends, t'as une ruelle, elle est où? Là, regarde, là, t'as une rue. On peut la mettre là, t'as une rue là pour repartir. T'as un chemin. Ouais. Hein? T'as un chemin, faut la mettre sur le chemin là qui est derrière. Ouais, ouais, y'a un chemin là, Charlie, faudrait que tu mettes ta voiture là. Ouais, j'ai vu le chemin. Vas-y. Le chemin, là. Bah ouais, comme ça, c'est à côté. Limite, on pète le mur aussi. Bah ouais, carrément, quand tu te gares, casse le mur, et comme ça, au moins, ça fait... Ouais, faut fermer grillage, là, derrière. Véhicule Lafit. Et nous, Drogon, on se met où? Bah déjà, l'un de nous deux doit braquer. Ouais, et l'autre, il se met où? Le premier il se met où déjà? Mais dans ce cas là les voitures faut les mettre devant. Parce que genre faudrait essayer de mettre une petite protection tu vois avec les bagnoles. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon le gars qui braque, les flics ils vont mettre un couchi-couchi de côté tu sais. Et parce que regarde là si je braque.
On me voit de... Tu vois, si les mecs, ils arrivent là, ils longent un petit peu, ils me voient de méga loin, en fait. Donc, il faudrait vraiment mettre la voiture devant le panneau, tu vois. Ouais. Bah ouais, du coup, cette voiture-là, faut la coller à la maximum. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Viens de Scrap. Scrap 84. Bienvenue. Et vous voyez où je suis, là, maintenant? Voilà. Non. Je suis au niveau du mur cassé, là. Voilà. C'est bon là? Bah moi je suis au sud, hein. Vous voyez là on a dit Attends. C'est bon du coup si tu l'as mis là-bas la voiture avec toi, faut que tu viennes venir en protection. Ouais, donc la voiture elle est bien. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On est bon là? On est bon, plus qu'à placer les hommes où il faut. Ok, tu vois ça comment pour les hommes? Les hommes L'animation de cette arme elle est indécente. Un devant et un derrière. Mais la, limite, la voiture, pourquoi on la met aussi loin? On la met là, hein. Bah je sais pas, si tu veux qu'elle soit un peu planquée, ouais. Ça va se faire spot et ils vont foutre quelqu'un dessus le temps que quelqu'un arrive. De toute façon, elle se fait spot là, hein. Ouais, mais c'est pas dit qu'ils la voient, ils vont peut-être croire qu'elle a abandonné ou qu'elle est là depuis 30 ans. Parfois, ils peuvent être bigleux, donc tranquille. Pouloulou. Ouais, mesdames et messieurs, tiens, il y a le marché, on va acheter vite toi bouffer. Faites vos paris, parce que... Oh non. Bon du coup, je braque. Eh David, tu veux tester un truc? Je l'ai déjà fait une fois. Vas-y. Faut pas bouger. Tu vois le kiosque? Oui. Tu veux mettre dedans? Eh ben tu t'allonges. Ouais. Et tu bouges pas un pet. Ok. Et tu sais que j'ai déjà fait, c'est passé. Et du coup, quand ils arrivent à intervenir, je sors derrière eux, j'allume. Et toi, du coup, tu sors seulement quand ça tire, du coup. Et dès que ça tire, du coup, t'arriveras juste à te relever et de tirer sur les studios. Ça va? Ouais, ok. Colle-toi bien contre la fenêtre ici et parle bien en faible. Hein. Ici, là, tu t'allonges ici. Là, comme ça? Voilà, colle-toi encore sur la droite et là, on ne voit pas. Ok, ça marche. Et moi, je me mets derrière le mur. Je le sens pas. Mes parents me manquent. Par contre, ouais, faut que tu... Vas-y, en fait, go. À votre avis, est-ce que... Vous êtes prêts? Je suis jamais prêt pour ce type de choses. Eh, c'est bon, je suis dans est-ce qu'à votre avis, dans la maison, là. Ça va passer? Okay. Tube, à vous de choisir. Est-ce que ça va passer? Je le sens tellement pas dans mon Kebab City, là. On vend les meilleurs kebabs de tout Maldon, ici, mesdames et messieurs. Police secours, il va arriver. Ils vont me voir en premier, ils vont me choper. Fin de l'histoire, merci, au revoir, je peux rentrer chez moi. Ça va être dur. Ouais, Joe, je vais faire un tuto pour comment faire des skins, mais je le ferai dans quelques semaines quand j'aurai bien compris le principe. Mais là, déjà, on va essayer de s'en sortir. Quand vous voulez. Oh là là. Go. Finir à l'hosto. Carrément, Delso. Carrément. Et encore, si on finit à l'hosto, on a du bol. Hein. Vas-y, go, 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 go. Charlie, t'es où? Je suis prêt, en face. Ok, on a tous un visuel. Moi, je vois personne. Hein. Et surtout, parlez à la radio, hein, sinon ça va être horrible. Hein. Mesdames et messieurs, le petit... Bien sûr, sinon c'est la mort. Petit SFR qui commence. Je sens un liquide chaud sur mon corps, c'est normal. Bon, moi, j'entends rien. À mon avis, je pourrais pas parler parce que si je parle, ils vont m'entendre de suite, je pense. Ouais, ouais, ok, t'inquiète. Ce que tu fais, c'est si les flics ton spot ou autre, tu scratches. Un scratch, c'est ça. C'est bon, tu reçois mon scratch. C'est pas la police qui va te calmer l'étagère au-dessus de toi, papa. Carrément. Je me suis fusionné dans l'étagère. J'attends une voiture. Ouloulou. Il y a une Mustang, police. Yeah. J'ai demandé un écho. 205, tu reçois. Et je vais un négociateur. On est foutu. C'était la pire idée du monde, j'aurais jamais dû accepter de faire ça. S'il vous plaît. J'aurais jamais dû accepter. Je me suis encore mis en danger pour rien. Déjà, je vais mourir à cause de cette étagère au-dessus de ma tête. Regardez, on voit mon sac à dos en plus. Ils vont voir mon sac à dos, je pense. Non? Je le sens tellement pas.
Je pense qu'on voit mon sac à dos. Regardez, sac à dos comme il est gros. Il n'y a même pas de la couleur de la vitre. Ouais, voiture civile, c'est bon. Ah. Pour le moment, on a une Mustang police. Oh là là. Ils sont en train de se placer pour le moment. On va se prendre une balle de taser, les gars. Vous dire à mes parents que c'était pas mon idée. Un négociateur. Et que moi, je voulais pas. D'accord? Faudra le noter. Ouais, je pense qu'il voulait se débarrasser de moi, Drogo, à mon avis. C'est dit, tiens, mets-toi là. Tu ranges ton armée, tu dis que tu t'es caché quand tu les as vus, Kappa. C'est vrai. C'est vrai. Je pourrais aussi dire ça. Je dirais ça, je pense, pour ma défense. Et je vais essayer de pas mourir à cause de l'étagère. Et c'est surtout, c'est la fuite. Comment je fais pour remonter dans la bagnole? Alors surtout, m'oubliez pas. Pour info, ils sont dans la maison. Maison bleue, là, dans l'angle. Bon, monsieur, c'est la police. Vous souhaitez négocier? Ouais, je vais négocier, ouais. D'accord. Je vais me rapprocher avec l'arme dans le dos, alors. Oh putain, merde, j'espère qu'il m'a pas entendu. Ah ouais, il va sortir. Ah, il est là. C'est bon, il parlait en fort. Bonjour. Toulou. Mesdames et messieurs. C'était escroc. Ben, enchanté, monsieur Sanchez. Bonjour. Je sais pas, il y a combien de flics. On va pas tarder à le savoir, de toute façon. Ils m'ont arnaqué. Ah bon? Eh ben, oui. Ils vous ont arnaqué quoi? En plus, c'est vrai, c'est des bâtards. SFR, ils facturent. D'accord. Les frais de résiliation, c'est insane. Je me suis renseigné, je dois payer 260 euros pour résilier ma box fibre. Regardez-la, elle est en soi, elle est en train de arrêter le patron. Ça va être un grand moment. Un grand moment de braquage. Moi je vous le dis. Dépose ton sac à dos par terre. Ouais mais gamer si je dois... Je peux pas bouger les gars. C'est un grand mot. Mais là si vous êtes fait arnaquer, vous pouvez directement venir nous voir et nous on pourra faire le nécessaire. Non je bouge pas, je touche à rien. Via le siret de cette entreprise. Ouais mais le problème là c'est que c'est trop tard. Je suis armé. J'ai les mains sur la tête. Il est en train de me donner son argent. Oui. Elle est partie chercher au coffre-fort. Oui, on va jamais s'en sortir. Compliqué, je peux pas. Enfin, disons que là, la dame, à mon avis. Je vois pas où est son collègue. L'arme a été déclenchée, monsieur. C'est qu'à mon avis, elle reviendra pas de suite. Hein. Charles, si, alors, moi je suis là. Vas-y, montre-toi, gamine. Moi je suis là. Drogo, il est là. Et Charlie, je sais pas où il est, Charlie, par contre. Charlie, je. J'ai pas noté où il s'était caché. Bon. Vous avez de l'eau, vous avez tout ce qu'il faut. C'est étonnant qu'il y ait personne qui arrive encore en renfort. Bon. Moi je peux vous proposer un truc. On va se taper le raid sur la gueule, les gars, ça va être magnifique. C'est que déjà, du coup, la dame, ça va être très joli. On regarde la porte, si elle s'ouvre, et comme ça, si elle s'ouvre, tu le tues. Non, Didi, je peux pas tirer parce que pour le moment, on est en train de négocier. Qu'est-ce qu'il fait? Bah merde. Ah c'est des fréquences que je reçois là. Bah écoutez justement là voilà, monsieur. Ça cause de la sonnerie. Ah, ah il a l'argent. Écoutez moi monsieur donc du coup comme je vous dis ce que je peux vous proposer. Là on est foutu. De lâcher la petite dame parce qu'elle en soi il peut rien comme je vous dis. Faut que je bouge pas. Je reste planqué là et j'attends qu'il se barre. Ça se passe comme ça d'accord donc la dame ce qu'on peut faire c'est la relâcher. Attendez j'ai peur je ferme juste là. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Ouais, donc du coup, comme je disais, braquage réussi, les gars. C'est un demi-GG. Pour approfondir tout ça, mais. Oh non, on me dit pas qu'il va au marché. Tu respectes les ordres qu'on lui donne, hein. C'est qu'une employée. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, moi, monsieur Sanchez, ce que je vous propose, c'est je vous donne la moitié de l'argent qu'elle m'a donné et je vous la rends saine et sauf. Et en échange, demandez à vos équipes 214 000. De reculer, de me laisser partir tranquille. D'accord, bah écoutez, je prends contact avec eux quelques instants, d'accord? Pas de soucis. Vous laissez quelques instants ici. 214 000, mesdames et messieurs, on vient de prendre. Parce que ça part vite. C'est sûr que c'est un petit jouet? Oui, c'est. D'accord. C'est une arme, ça reste une arme, mais faites attention, ça peut partir vite le coup. Eh bah, c'est pas un pistolet à eau, hein? Ça, je sais bien, oui. Parce que je le vois gros comme une maison, le gars il va acheter des saucisses, puis il va gueuler. Oh mon dieu, il y a quelqu'un d'armé! Je vous attends. Vous voyez le bazar? Bouge pas, Walfax, j'étais obligé de bouger! T'avais l'autre derrière avec son A45. Juste aller au magasin général. Il y a le magasin général? Ouais, attends, mais je les ai même pas vus, les Hertz.
Ils ont laissé leur voiture. Ah, regardez, il y a les flics là-bas, ils leur disent de se coucher. Il n'y a plus personne qui parle à la radio. Alors ce moment de blanc intense. J'ai plutôt pas me le mettre à l'envers. Faudrait pas que j'ai entendu de d'essayer de m'attraper après. Non, non, je vais pas me remettre des claques dans mon sonotone, non. Ah, vous me prenez pour un petit jambon de 6 semaines. Ces expressions qu'il a aussi, lui. Je lui tirerai dessus, je pense. Mesdames et messieurs, ça arrive. C'est qui ces pélos, là? Taxi. Eh, hey, c'est un putain de braquage, vous dégagez les civils ou je vous bute. C'est ta main de sang. Attendez, vous laissez des civils venir. Ça va pas, hein? Oh, il est passé sur une herse. D'accord, ils avaient hercé la poursuite. Ah ben moi je peux appliquer si vous voulez ma loi, hein. Oui, non, votre loi, on va la laisser là où elle est. Ok, donc, regardez, ils ont hercé, le taxi, ouais, il est par terre. Instants, je reste à côté de vous, en fait, ils ont tout hercé. Oh putain, quand il va passer devant, il va me voir, je pense. Oh, monsieur Sanchez. Excusez-moi, oh putain, et l'autre il rôde dans son... Ça c'est vraiment écœurant par contre quand il fait ça. Il me donne envie de vomir quand il rôde dans son micro. Ouais, tu ponces son sisson, ouais. Alors. Appelez-moi papy. Qu'est-ce qu'on branle? On m'appelle papy, ouais. Je sais pas ce qu'on attend là. Eh bien sûr que non, 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 c'est pour les intimes, papy. J'aurais jamais dû laisser Drogo gérer le braquage. Bon, vous acceptez ma proposition? Je vous donne. Je me remets en position. Courant, la gonzesse, vous reculez. Je me suis remis en position, les gars. Ouais, je vous la détache. Le taxi qui est passé sur la herse, quoi, magnifique. Alors. Il a fait 75 000. Quel mytho. Ouais. Il a gagné 200 000. Bon, mesdames et messieurs, pour le moment, je ne sais pas du tout comment on va finir toute cette histoire. Ouais, ils ont hercé, ouais. Yo, Warzer ! Dis-moi, Drissop, ça fait plaisir. Ouais, je vais te dire. Ça a herse pour info, il y a des herse partout. D'accord, monsieur l'agent. Enfin, il y avait des herse. J'ai juste une petite suggestion, s'il vous plaît. Pendant votre extraction, pour que je sois sûr, je peux vous voir monter. Le petit taxi vous... Warzer, merci, ça fait plaisir. Pouf, Warzer, bienvenue à toi. Essayer de voir un petit peu comment, non, c'est un taxi, ça. Comment on s'en sort avec cette histoire là. Alors, à votre avis, est-ce qu'on va réussir à s'en côté sortir Clio, ça a l'air clean. Ah bah Charlie, je me demandais s'il était encore en vie, tiens. Charlie qui ne parle plus depuis maintenant plusieurs jours. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais que fait la police? Ils parlent pas les gens, mais moi je vais vous les faire partir si vous voulez. Que fait la police, mesdames et messieurs? Ouais, ça vient de braquer, ouais. Et là, on attend. On est en position stand-by. Y'a rien aux fenêtres. Je sais pas où est son collègue. Son collègue est au niveau de la voiture de police qui est dans la rue là-bas. Effectivement. Et là-bas, normalement, il y a 4 civils. Les 2 du taxi, les 2 de la 45 qui est à côté. Les 2 de la 45 AMG. Alors. Vous allez me dire, au moins, on est toujours en vie. Hein. Quand c'est moi qui braque, ça va plus vite, mais souvent, on... Pan, 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 Jeff. Est-ce qu'on va faire du pan, pan, pan? Je ne sais pas.
On verra. On verra. Mais là, ouais, à mon avis, on va se faire choper, je pense. Faut que Drogo arrive à bien négocier. Sinon, on est foutu. Donc, on va voir. On va voir si ça marche. Vous repartez tranquille et tout se passe bien. Pouloulou. Alors, est-ce qu'on va s'en sortir? Allez, on se dépêche s'il vous plaît. J'ai pas tout mon après-midi, je vais aller faire mes cours. On va se taper arrête sur le coin du museau, vous allez voir, ça va être magnifique. Je ne connais pas le nombre de flics de connectés. Ce qui est sûr, c'est si on a pu braquer, c'est qu'ils sont plus que deux. Pour le moment, il n'y a personne qui est arrivé en police secours ou en spécialisation. Là, j'entends une moto. J'entends une moto. Je sais pas ce que c'est par contre. Je sais pas si c'est une... des motards de la police ou si c'est un motard civil. Qu'est-ce qu'on attend? C'est long. Je sais pas ce qu'on fait. Votez 1 si on s'en sort, votez 2 si on meurt. Moi, je vais voter 2 car vu comme c'est parti, on va se faire cerner. Et je sais pas, tirant l'air pour les faire flipper, non ? Quand ils vont commencer à tout fouiller, on va se faire choper à mon avis. Il est toujours la prise d'otage, monsieur ? Ah. Et là je réponds, vous savez, je dis oui ! Vous êtes en sous-effectif, ça c'est pas mon problème, hein. Alors, en plus il est en sous-effectif, il peut appeler la sécu s'il veut. Hein. Dépêchez-vous, attendez. Alors... Et voilà, il est midi et demi, moi. Moi ça, les courses ferment à midi 45, comment je vais acheter ma baguette pour manger, hein ? Alors, il y en a qui ont voté 3, quoi. Oh, 22. 22, là, les flics. À Paris, il y a des rats dedans qui chient. Alors, pourquoi c'est aussi long? Parce que peut-être si je sors et je prends à droite, ils me voient pas. Charlie, c'est quoi ton visuel? Quoi? Il y a un flic derrière le taxi. Quel taxi? Taxi jaune, j'ai un taxi okay. Jaune. Je prends pas ça pour une menace si vous tirez du coup. Qui est sur la gauche. Ok, bien fait, sur les. C'est signé, avec Cléo, y'a rien. Je sais pas, mais. Y'a un gars avec une lunette, il retourne derrière, un gilet. Bah, Cléo, y'a rien. Non, c'est pas du côté de la Clio, c'est de mon côté. Vous tirez simplement dans le ciel, hein, monsieur, hein. Eh bah, dépêchez-vous, j'écoute. Je débranche mon sonotone. Y'a un autre mec qui est. Posté juste derrière le SFS à droite avec une Mégane RS noire. Charlie, t'es repéré? Ah oh. Ouais, j'ai entendu un gars parler de toi à la radio. Enfin, autour de moi. Et je suis quoi du coup? Bah, je sais pas s'il parlait de toi de quelqu'un d'autre, mais j'ai entendu parler au niveau de la Mégane RS noire. C'est une Mégane RS? Non. Après, il peut confondre une Mégane avec une Clio. Prenez dans le sac. Eh, est-ce qu'elle repasse sur une R, à votre avis, celle-là? Ce serait magique. Comptez les billets, là. C'est que des billets de 500 en plus. Les arnaqueurs. Ben, y a pas de sécurité, moi, je vous rappelle. Honnêtement, j'aurais été en police. J'aurais appelé la sécu pour, vous voyez, faire la circulation, vous voyez l'idée? On a le compte. Excusez-moi. Lui, il est en train de faire fuir tout le monde, là-bas. Yes. Vous dites qu'il passe la cinquième. T'as une voiture qui bouge, là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout comment... Je commence à avoir des bouffées de chaleur. Ça continue comme ça, je vais tomber enceinte, hein. Qu'est-ce que c'est long. J'ai l'impression que ça fait 9 mois qu'on attend. Le flic a l'air de courir, le gars, pour lui dire « Maintenant vous reculez, d'accord ?» Et puis c'est tout. Allez, je veux sortir de mon petit truc, là. Allez, grouillez-vous, ça tourne en rond, vous avez récupéré votre thune, vous avez récupéré l'otage. Non, si je sors, regardez, il est là. Un flic derrière le taxi. C'est son collègue, ils étaient dans la voiture. Le deuxième est derrière le taxi en partant sur la gauche à cause d'une herse.
Et je vais les fumer, vos civils. voiture se rapproche. Voiture se rapproche. Tenez votre parole, hein. Eh, vous me dites que vous avez fait dégager, c'est quoi tous ces putains de civils là-bas? Je vais foutre une rafale dans le taxi, ils viendront plus. Truc de ouf. Vous prenez pas ça pour vous si je tire? Ok, venez. Et c'est exactement comme dans la réalité, hein. Vous savez? Il m'a fait peur. On aurait dit des perdreaux. Putain, c'était magnifique. Et là, le délire était vraiment super joli. Au moment où il lâche une rafale, boum, il y a tout le monde qui court de l'autre côté. Il y a ça aussi quand il y a des accidents ou des incendies. Les gens qui regardent, qui attendent, etc. Est-ce qu'il fait des suraccidents, tout le bazar et tout. Voilà, pour ceux qui veulent un peu de réalité, eh ben, ça arrive également. Voilà. C'était un plaisir. Genre de voiture qui prend feu, les gars ils vont s'approcher de la voiture pour la filmer alors qu'il y a les pompiers autour, tout le bazar et tout. Ok, ça se barre. Ok, info sur les flics. Ça part derrière. Vers moi? Ok. Non, c'est reparti par où il est arrivé, mais ça s'est regaré, je crois. Elle est clean. C'est derrière le taxi. Ok, je vais devoir effectuer du coup des sommations. Parce attends, coup, les mecs sont sortis, ils ont rangé les armes, ils sont avec les gars des civils au niveau des taxis, ils leur demandent de partir. Ok. Rip cher sans rip cher sans. On va jamais s'en sortir. Non la meute. On ne va pas mourir. Non monsieur. Merci, ça fait plaisir. Ils comprennent pas ou quoi? Bon, je fais quoi? Moi j'en peux plus là, je suis en sueur. Je reviens? Je viens dans la voiture, qu'est-ce que je fais? On prend la voiture pour se barrer? Non, ne bouge pas, ils vont te... Il fallait tourner à droite. Ouais, mais le truc c'est qu'il faut sortir David. Ils ont fait reculer les civils. David, là. David au pire il attend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite, non? Mais en fait là j'ai bougé, du coup ils vont croire que je me suis barré, donc c'est bon. Non, en fait faut qu'on essaie d'évacuer David sans qu'il soit chopé. Il y a un peu de brouillon, je peux venir vers vous, il y a du bordel là. Viens vers la Clio. Vas-y, essaye du coup de ranger ton arme tranquille et de sortir. Et de venir. Vas-y, cours. C'est bon, j'ai couru, je me suis barré. Si tu peux rejoindre la Clio, c'est un miracle. C'est quoi la fuite? On laisse mes R5? Il y a une arme dedans les gars, c'est dommage, on peut pas la prendre pour se barrer sur le côté? Mec, la Clio, on est tranquille si on prend la Clio. Ouais mais les R5, il y a une arme dedans. On la prend, on se barre à droite. Vous êtes où là? Vous êtes dans la Clio? Non, moi pour le moment, je suis à côté de ma Clio et je vous attends en fait. Vas-y, j'arrive à la Clio. Par contre, du coup, là, faut prendre full off-road parce que du coup, je suis là. Je suis là, je suis derrière toi. Vas-y. Go. Passe aucune route, il y aura des herses partout. Ouais. Bah, y'a oh, c'est pas possible, les gars! Oh là là! Tout ça pour ça! Les gars! Oh, c'est pas possible! Charlie, il a mis tellement de temps à démarrer! Putain, je suis dégoûté! Oh là là, c'est pas à voir comme des bites de coucou! C'était sûr que les mecs, ils allaient pas se barrer et qu'ils allaient être mis sur le côté. C'était sûr! Mesdames et messieurs, nous sommes mourus! Fallait voter deux! Enfin, cela dit, on a quand même réussi à faire le braquage. Mais c'était sûr que c'était pas une bonne idée parce que la voiture, il l'avait repéré. Rip cher sans. Limite, il aurait peut-être mieux fallu se barrer de l'autre côté. Parce qu'en fait, regardez. Nous, on a vu que deux flics, mais en fait, regardez, ils étaient plus que deux flics, vous voyez. Et je passais mon temps à vous dire, mais où c'est qu'ils sont les renforts? Bah, en fait, les renforts,
ils étaient justement là et c'était caché derrière et ils étaient sur la voiture de fuite. Et forcément, eh ben, comme nous, on a pris une demi-heure à négocier notre sortie, eh ben, disons qu'on s'est en ressortant quoi. Mais je pense que les négociations chez nous ça a duré beaucoup trop longtemps parce qu'au final le braquage était fini, on était encore en train de blablater. Du coup ils ont pu poster tous les hommes autour et nous, eh ben, quand on est sorti, c'était la fête à la saucisse. Bref, likez la vidéo, abonnez-vous si ça vous a plu. On retentera des braquages. Je suis sûr que ça peut marcher. Sauf que déjà négociation, moi avant je négociais pas. Là on a négocié. Au final, même si tu négocies, donc tu négocies ta sortie, on arrive à sortir. Mais le temps que tu mets à négocier, les mecs arrivent à se replanquer derrière. Et je pense dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire la prochaine fois qu'on négocie, on négocie que les flics, on négocie que les flics sortent de la ville et on explique que tout ce qui est bleu, tous ceux qui sont encore policiers dans la ville, dès qu'on les voit, on les abat. Comme ça, si le négociateur il dit OK et qu'il reste des flics de planqués, on peut tirer dessus parce que là on était juste en mode vas-y go on va dans la voiture et puis au final voilà. Vous noterez que je ne suis pas sorti de la voiture parce que moi je me suis dit ça sert à rien de sortir, ça va se refight, j'attends. Je me suis quand même pris une balle perdue hein. Donc messieurs la police, faudra revoir les séances de tir car personnellement je ne suis pas sorti de la voiture et ma foi me faire arrêter, ma foi pourquoi pas, vous avez idée. Et d'ailleurs on a vu que les flics ont les petits comment ça s'appelle, le laser rouge. Quand j'ai vu le laser se poser limite sur ma tête, quand il s'est levé dans la cabane, je me suis dit, c'est foutu. Mais les flics ont aussi bien joué parce qu'ils avaient prévu qu'on partirait par là. Et du coup, nous limite, en fait, on aurait dû partir sur la route. Je pense que si on s'était barré sur la route, ou alors si on leur avait dit, bon, il n'y a plus de flics, vous partez, on aurait dû chercher les flics qui restaient planqués, les abattre et partir. Parce que là, on a juste essayé de se barrer et... Bah, on a mis, je sais pas, on a mis peut-être 5 secondes à partir et en 5 secondes c'était fini quoi. Voilà, on tenait. Ouais, alors je suis innocent, j'ai rien fait. C'est vrai que c'est ce que j'aurais pu dire si je m'étais fait arrêter. J'aurais pu dire que c'est pas moi qui avais braqué, mais il y avait complicité quand même. À mon avis, j'aurais pris tarif. Bref, je suis mouru. Ça tombe bien, c'est un vidéo game. Du coup, on va revenir et on va retester des petites choses, etc. par la suite. On cesse là-dessus. Fin d'épisode. Bisous, chouchou. Bon, je pense que si on négocie, il faut négocier le retrait des forces de police de la ville s'il y a des flics qu'on abat. Et si on négocie pas, dès qu'on voit que ça s'agite un petit peu trop, faut directement tirer sur tous les flics qu'on voit. Là, on a essayé de faire un mix des deux. On regarde, on tire pas, on attend, etc. Y a encore du travail, je pense. Parce que faire un braquage et pouvoir se barrer, quand il y a les flics qui interviennent, c'est pas si facile que ça. Parce que comme vous pouvez le voir, ils sont quand même mieux équipés que des simples petits braqueurs. Bref, fin d'épisode. Bisous, chouchou. C'était retest d'un braquage à 3. C'est pas vraiment une réussite, je vais vous l'avouer.